coup, on venait de récupérer notre petit gardien, qui ressemble beaucoup à Lisa Simpson. Vraiment, cette tête de con. On va dire, du coup, dirigez-vous vers les plaines de Prémessia. J'arrive pas à m'y faire, ces graphismes SD là. Oh, du coup j'ai pas de clé pour ça, c'est vrai. De fer. Je sais pas, je crois que c'est ce qu'il a, la hache de fer normalement. Merde, c'est pas là-dedans. Ouais, là. Ah, peut-être qu'elle est un peu plus puissante. Oui, elle est plus puissante. Du coup, je comprends toujours pas comment tu fais pour aller là-haut. Les opérations militaires sont des batailles auxquelles vous contrôlez 4 escadrons, à vous de trouver la bonne stratégie pour gagner. Ouais. J'ai pas spécialement envie de faire ça moi.
C'est des troupes niveau 1. En fait, c'est juste pour les déplacer, quoi. Je m'en fous. On va commencer. Hein. Puissance ennemie 1240. La mienne, elle est à 5000. Normalement, ça devrait aller. Avec L1, R1. D'accord. Ok. D'accord, ça fait juste comme ça. En fait, ça se bat automatiquement. Est-ce qu'on peut les... Non mais il y en a qui tirent avec des flèches, ok. J'ai pas vu ça. Oui, on va mettre ceux qui se battent à l'épée devant, c'est mieux. Ah mais d'accord, il défonce les barricades. C'est pas trop mal. Il vous est possible d'accélérer vos déplacements, votre vitesse grâce à l'accélération et furie. Plus vous maintenez la touche, plus la jauge militaire diminuera. Vous tenez carré pour activer la furie ou croix pour l'accélération. Ouais, mais pour l'instant, je pense que ce sera pas très utile. Oh, c'est pas très utile. Enfin, j'ai pas l'impression. Ah, je les avais pas vu. En fait, ils étaient plus nombreux que ce que je pensais, en fait. D'accord. Ah, il est doux. Je n'ai pas vu rien. Chaque type d'escadron a son point fort et sa faiblesse. L'épée est plus fort que le marteau est plus fort que la lance, et la lance est plus forte que l'épée. Si vous avez l'avantage, les flèches bleues apparaîtront. Si l'ennemi a l'avantage, les flèches rouges. Je suis en train de tourner en rond pour rien. On a l'avantage, on a l'avantage. Une puissance militaire de base déterminée, utilisez-la à bon escient. Merde, j'ai pas vu ce que c'était le truc. La tactique de Grant, les planeurs survolent les environs et jettent des bombes. La tactique de Karl, les ennemis se voient figés pendant quelques secondes.
Maintenez R2 et appuyez sur croix, rond, triangle ou carré pour utiliser les techniques d'escadron. Je crois que j'en ai perdu un rouge. Je sais pas si je les fige ou si je remets des balles. Ah merde, je suis en train de me faire défoncer là. Ah putain, ils vont me défoncer ces bâtards. Putain, y a plus personne. Ah! Putain, c'est chiant, j'aime pas ce genre de truc là. Parce que il est où l'autre? Je propose. Ah non, il est là-bas. Okay. On peut le tirer dessus à travers les barrières.
Sinon, les troupes, la puissance des attaques des escadrons augmentera envers tous les types d'ennemis, augmentera. Pour stimuler vos troupes, appuyez sur triangle. C'est pas fini encore, ce truc de merde là. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Allez les flèches, allez, allez, allez. En vrai, ça fait que dalle, ces putains de trucs, ça va pas du tout de là où il faut. C'est nul. Parce que moi, je voudrais bien tirer sur eux, mais... Ah, voilà, là, il a retiré sur eux, putain. Oh, calmez-vous, là. Cette fois c'est fini. Ça je verrai plus tard. Peut-être pas aller dans l'eau. よし。お買い物ですか？
guerre 49, j'en ai pas encore en 49. Ça pourrait le faire. J'ai combien de thunes? 3400. On verra plus tard. Pour l'instant, ça c'est pas trop utile pour l'instant. Je m'en sors pas trop mal dans le combat. Ok, on va reprendre ma manette. Il y a des mobs un peu plus vénères. Niveau 14. Ah, par contre, je me suis bien fait enculer. Ouais.
Bon, la forêt, ça doit être ça. Est-ce que je peux monter là-haut? Ça a pas l'air. Donc peut-être que plus tard on aura une espèce de véhicule qui permettra de monter, voler, je sais pas. À voir. Des petites flashs. Ah, faut voir du coup ça fait. Ah oui, mais si, mais je l'avais déjà vu en fait, le violet. Ça me dit quelque chose. C'est peut-être les verts que j'ai pas vu. Les verts, ils ont l'air de buffer apparemment. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Premier réveil. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis devenu un Saiyan. Oh, ils ont l'air de me buffer. Mais ah, c'est chiant, c'est chiant que la map elle est sur le bouton option. Équipement. Ça a rien à voir avec ses armes, je pense, non? Ah, ça remet de la vie pendant que t'es dans le cercle. Ah, c'est cool ça. Lance rustique de feu.
Un nouveau pistolet. On va éviter d'aller là-bas, je pense. Un pistolet, ça doit être pour lui de toute façon. Ah oui, j'en ai plein en plus des nouveaux pistolets. Oh, j'ai des 55-56. Oh là là. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ah, je sais pas si elles ont gagné une étoile ou pas. C'est peut-être ça en fait, peut-être les étoiles, l'éveil que ça a fait, je sais pas. Bon, dans tous les cas, chance d'infliger confusion, pourquoi pas. Hein. Ça peut être pas mal. Ah, t'as le boss. Ah, en fait, fallait vraiment passer, fallait vraiment faire le tour, quoi. Par là, ça va être chaud, mon avis, non? Au niveau combien, ce truc? Ah non, au niveau 16 encore, ça va. C'est pas un gros, gros boss. Enfin, je pense qu'il faut faire gaffe, quand même. Oh, j'attends. Ils sont niveau combien là mes persos du coup? 13, 14. Ah non, c'est lui en fait le boss que je voyais sur la map. D'accord. Corde ordinaire. Le katana de Jade. Glaive de feu. Pour voir si. Je peux pas mettre autre chose à la place. Oui, attends. Épée chromée de clarté 61. Donc là, à mon avis, il faut faire attention à ça. Hein. Ah bah, non, ok. L'aura maléfique, elle prend le contrôle de celui qui l'enveloppe. Ces derniers temps, les monstres sauvages sont devenus plus agressifs. Genre, ils ont un... J'aurais dû lire ce qui s'était marqué en fait. Je vais juste m'approcher en espérant ne pas me faire aggro s'il est trop fort. Voir juste voir le niveau qu'il est, si ça se tente ou pas. Ah oui, mais en fait, tant que t'es pas dans le truc, il aggro pas quoi. Ah bah voilà. Niveau 22, mais du coup, tu peux, t'es pas obligé de l'affronter quoi. Ok. On revient sur des niveaux 12. C'est un peu moins puissant. Thank you.
Oui, tiens, d'ailleurs, j'ai pas vérifié ça. Ah, il a une armure de cuir, ok. 32. Non, bah non, ça sert à rien. Il a pas d'épée. On va lui mettre celle-là. Attaque magique. Bon, tu vas me dire, au moins il prend 5 de défense en plus, c'est toujours ça. Anti-goutte. Rien du tout. Lui par contre ça lui donne 5 de défense en plus, allez hop. Ah si, m'a battu. Ça fait un point de TPM. Il est chiant de courir partout. Mais... Après, ça me... Le groin chaud. On va le tenter. Ah ouais d'accord, ok. Adelante,
Palpatine. Ah mais putain. Ah non, je suis équipé de celle-là, donc c'est bon. 43, ça va très bien. What? 37, ok. On va se casser de là tout de suite. En fait, c'est même pas là qu'il faut que j'aille, en fait. Ah, oh, merde, je suis pas du bon côté. C'est là-bas dedans qu'il faut que j'aille en fait. La petite grotte violette qu'on voit là-bas. Elles sont pas trop nombreuses. Waouh! Comme ta joie, comme ta joie, mec, comme ta joie!
Nee. Du level 20 quand même. Ah, on va le louper ça. Ça va me permettre de reprendre de la vie aussi. D'ailleurs, il en est où Evan là, avec son XP? Ah, il a plus ou moins rattrapé, ça va, c'est cool. Lance chromée. C'est pour la gamine, je crois. Ouais. Écoute, 31. 31. 27. 47. Bon, après 56. Je vais laisser les deux là. On a foutu qu'elle en ait 3. Ça c'est pas un gros mob. On voit la fraise. Et champipi, 5 champipi. Ah cool, d'accord. Là au moins on reprend le combat quand on a marqué, ça c'est plus intéressant. Pilule anti-poison. Encore ça va, je pensais que ça serait plus haut level ce truc là. Niveau 18. Ouais. Bah là on peut pas passer. À mon avis, il va falloir un mot spécial pour passer ça, je pense. Mettons un plus. Ah bah. J'avais esquivé comme ça. Aussi. Ah, cassez-vous. Non. Thank you.
Ah putain, ça fait plein de petits champignons, j'avais pas vu. Non, je voudrais bien que tu vises le gros, en fait. Oui, mais attends, mais depuis le début, il a ça en fait. J'aurais pu le changer depuis longtemps aussi. Cuir d'exercice 36 et points d'XP en plus. Ça augmente les points d'XP. Ok. ok. Alors, on va peut-être pas lui la mettre à lui du coup. Parce que lui, il a pratiquement un niveau de d'écart. Là, ils sont quasiment au même stade du coup, Evan et Roland. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... Oh merde, à lui, du coup. Je vais lui en... Ah non, mais du coup, elle, il a plus la, la bague, du coup. Ah ouais, je l'ai mis à, qui? Je l'ai mis à elle, ok. Autant lui mettre ça en attendant. Et lui, du coup, je vais lui mettre la bague d'Elio. Et je vais lui mettre le truc d'exercice. Comme ça, il devrait monter d'XP plus rapidement, déjà. Par où je vais? Alors, il y a un truc. Oh, bonjour les gars. What? Ils étaient pas là tout à l'heure. よろしく。 それでは。
il y aura 100. Ah non. Baguette. De l'ambidombre, ouais, bon, 26. C'est pas terrible. Oh, ce cliché de Yoda. よし。Aussi, ça va être plus intéressant. C'est des matériaux du coup, ok. Je vais tous les passer pour plus qu'il y ait de point d'interrogation, d'exclamation.
Donc ça c'est tout ce qui reste en mes PV et tout ça, enfin tous les trucs de soins du moins. Reste en beaucoup. Il y a des trucs qu'on peut utiliser à fond. Je vais mettre une petite potion à lui, enfin une petite trèfle, je sais pas quoi. Un trésor, je le veux. Des florins, 500 florins, très bien. Voilà. Une fiole domestique. Un arc. Soit très bien. Il pourra sauter. Oh. Ça me met directement dans le mecha book, ça, d'accord, ok. Ouais, il a un niveau de moins. Et elle est combien du coup? Elle est niveau 13. Prendre un maximum de projets. Oulala, d'item. En plus, ouais, c'est pas mal parce que finalement, t'as le truc de soin qui est là, qui permet de sauvegarder aussi en même temps. Donc, du coup, en fait, si tu fais du farm, c'est pas mal en fait.
coup, c'est par là-bas qu'il faut aller. Yudan suruna yo. Ah oui, mais oui, d'accord. J'en avais déjà vu des champignons comme ça. C'est pareil, il va falloir trouver, je pense, le mousse qui permet de faire ça. Ah oui, du coup, ouais, effectivement, c'est vénère. Ouais. J'ai vu que ça, apparemment, ça comme des soins. Alors, j'ai pas vu si ça me soignait moi ou si ça soignait les alliés. Il a changé le truc. Automatique. Pourquoi il s'est remis en automatique ce truc de merde? Je l'ai pas changé. Ça se fout de ma gueule ou quoi? Hache de platine du froid. J'avais mis la platine d'ombre tout à l'heure. Ah
Ah tiens, j'ai même récupéré la poison. Au pire, j'ai envie de lui mettre le triple H. Comme ça, il fera bien le... il prendra bien celle qu'il préfère. Il y a encore un coffre à clé, mais j'ai pas de clé du coup. Chien. Quand même tenter, mais je pense pas avoir trouvé de clé. Voilà, c'est ça. C'est quoi le bon? Ah non, c'est des espèces de plantes bleues. Tu veux pas descendre là? On est obligé de faire tout le tour pour descendre, je pense. Celui-là, est-ce que je peux le prendre, celui-là? Ah, il a l'air haut. Je sais pas si... si par là... Non, ça passe pas là. Ah, il est pas mort. Le coffre qui est là-bas, du coup. Thank you.
Il en a la moitié du 16. Tout est là-bas. Tu te battre, allez, on se bat. Gamarone. Par là, c'est un chemin. Ça. Ah non, ah si, coupe par là. Si. Ah bah si, il passe. Il est par là. Ah, il monte pas. Ah d'accord, une autre forêt du coup par là. De toute façon, faut qu'on aille dans la ville. On ira voir plus tard. Je vois s'il n'y a pas d'autres coffres par là. Ça n'a pas l'air. Je suis obligé de descendre. Non. Pas où je redescends. Pas où je remonte. Par là. Ouais, ça paraît logique, le gros château, ouais. Ça paraît logique. Yes.
Irasshai. Vous, forcément, c'est pour mettre des petits trucs comme ça. Une toile douillette. Ah, il y a un truc d'arme là. Je vais aller voir ça plutôt en priorité. Ah ouais, d'accord, j'en ai 3 en possession de ça, donc du coup non. 2, 4, ok. Tout ça est quoi, 60. Ah ouais, du coup, c'est vrai que du coup, les armes des Romains, elles sont pas forcément au top top. J'ai l'épée chromée qui est la dernière que je lui ai installée. Perforateur, c'est celui que j'aime. Ah non, il est même moins puissant celui-là du coup. Unique. Oh, y a moyen d'attacher des trucs, mais après c'est peut-être possible que j'en drop des trucs plus intéressants aussi, donc je sais pas. 49, 46, 12, ouais, pourquoi pas. Bâton de sorcier, 39, non. Bon, pour l'instant, on va faire l'impasse, on verra plus tard. Oh, mais il y a encore un point de TP. Mais dis donc. Elle est grande la ville. Ouais, je peux pas tout voir, si. Non, je peux pas tout voir. Il y a moyen d'aller sur les toits aussi. Hop. Ah, je suis tombé. C'est Batman. C'est quoi ça bleu? Est-ce qu'il y a un truc intéressant là-dedans? C'est pour une future quête, j'imagine. Et toi, t'es qui toi? T'es intéressant à parler ou pas? Non, c'est pas intéressant du tout. Maison en fait. Beaucoup d'enfants passent par les toits, mon dieu. Des freerunners. Non, ça va pas l'ouvrir. Bonjour toi. Ah ouais, c'était intéressant de prendre un caillou, on sait jamais. Encore un TP, bah allez, tant qu'à faire.
paix du casino. Allez, bah encore un TP. Hein. Genre, on peut pas faire 10 mètres, tout ça, on est obligé de se TP. Au cas où. Ah, c'est ouf ça quand même. Alors, vont-ils payer des impôts ce mois-ci? Faites que ce soit un 1. Il est excellent, lui. What? Le dé est pipé. Le dé est pipé. Mais bien sûr que ça sent la triche, attends. C'était obligé ça. Yoshi. On va pas pouvoir rentrer tout de suite, ça m'étonnerait. On fait une petite save avant, au cas où si on peut le niquer. Première mise est de 1000 fois. Hein. Ça s'appelle Ciel et Terre. Il se joue avec 3D. Je vais d'abord lancer 2 dés sur les 3.
et vous allez les additionner leur somme. Ensuite, je vais lancer le dernier dé. Mais avant cela, vous devez parier. Et si la somme des 3 dés sera égale à 11 ou plus, ou égale à 10 ou moins. Si vous pensez qu'elle sera plus de 11, pariez sur ciel, moins de 10 sur terre. Mais il y a une règle spéciale de renversement de situation. Si on obtient un triple 1 ou un triple 6, bien qu'un triple 1 fasse 3, il équivaut à ciel. Pareil avec le triple 6 qui devient terre. Ça a l'air bien compliqué pour une histoire de dés. Ok, allez, vas-y. On va voir. Ils sont pipés aussi les dés, hein, y a moyen. Un 6 et un 1. Oui, bah ça fait 7, oui, ça c'est oui. Vous parliez sur ciel ou terre. Ciel, faudrait qu'il fasse... S'il fait 4, il laissera ciel. S'il fait 3, il fait 10. Mais à mon avis, comme c'est parti, à mon avis, il y a moyen qu'il nous nique dans les deux sens. On va tenter terre, on verra bien. Il était à deux doigts de faire 3 quand même, hein, le truc. Hein. Double 1 comme par hasard. Le 6. Donc là il peut faire terre s'il a un troisième 6. Mais comme par hasard. Donc 10 millions de florins, ouais, d'accord, normal.
Ils ont tous des dettes en fait. C'était obligé, c'était obligé. Du coup, il va hurler tout le long, en fait, non? Est-ce qu'on peut rentrer au casino vu qu'on a des dettes? Ça, c'est la question. C'est un peu facile de rentrer comme ça. Hein. Ah non, pourquoi je me tape lui là? Non, il a pris une dette lui aussi. Elle est énorme la sienne. Pas une si grosse somme que ça, hein, ça va. Enfin, disons que tu peux pas savoir. Non, mon crétin de père à l'instant. Ah.
いらっしゃい。あの、おや。ねえ。何？よく見ててね。一を押すと、一が。五を押すと、五が。二を押すと。On a compris le principe, tu vas pas tout faire. Oh. Yoshi. Ah oui, c'est un très bon plan. On va y aller avec le TP, ça sera plus simple. Même si du coup ça fait des chargements pour rien. Mais... さあ、どっちを選ぶ？赤だ。はい。来た。作戦実行や。行くぞ。今や。Mais t'es sérieux, mon gars? Ah, oh putain, c'est crade.Tireur de crotte professionnel, mon petit. Ano ça. Le grand Manitoutou. Hi. Né.
trop facile. Ok. Bon, je dois avoir le temps de voir à peu près la cinématique ou je ne sais quoi avec lui. On se fait ça et puis après j'arrête. Dormo. Hai. Oi. よし。Et c'est bizarre parce que lui c'est pas un chien lui. Lui à mon avis le ministre il est chelou. Le ministre n'est pas un chien. Allez, comme ça, j'arrête là. Et on ira inspecter le grand boudet au prochain live.